Bonjour et bienvenue. Alors, comment vous allez ce matin? Très bien, j'espère. Nous sommes le 1er octobre 2021. Et beaucoup d'entre vous, c'est maintenant que vous tombez sur ma page pour la première fois. Beaucoup d'entre vous, c'est cette semaine que vous m'avez rencontré. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça fait un mois que vous me connaissez. Et depuis un mois, il y a de belles choses qui ont commencé dans votre vie. Vous venez à peine de commencer à comprendre ce que c'est que la spiritualité. Vous avez ressenti des choses, mais c'est effectivement maintenant que vous commencez à mettre ces choses en pratique. Vous savez, quand vous partez à l'église, on vous fait croire que, tu vois, tu ne sais jamais ce que Dieu va faire. Tu n'es jamais su, tu vois. Je viens vous faire comprendre que la spiritualité se maîtrise. Tu peux apprendre. Si j'ai droit à quelque chose dans le spirituel, j'ai des devoirs. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous lisez la Bible, vous ne croyez pas. Parce qu'il y a des devoirs que vous ne remplissez pas. Il y a des devoirs que vous n'accomplissez pas. Je viens enlever les bouchons, le toit que vous-même vous avez laissé, que ça vienne sur votre tête. Je vous ai encore dit, vous ne pouvez pas m'écouter. Vous restez dans la même situation. Et si c'est le cas, délikez ma page. Beaucoup d'entre vous devez vous asseoir, analyser votre vie. Parce que, ok, non, j'ai donné dans telle église, après le pasteur a pris l'argent, il est parti avec. Tu ne connaissais pas donner. Comme tous les premiers de chaque mois, je vais vous enseigner sur les principes financiers, spirituels. Pas pour le pasteur, pas pour l'église. Première chose d'abord, avertissement, disclaimer. Tout ce qui sera dit ici, vécu personnellement, pris de la Bible, testé. Comment on dit que la Bible est testée là, cette fois? Et c'est pas ça que je vis. Donc bonjour et bienvenue. Je ne parlerai pas beaucoup individuellement aux gens aujourd'hui. Parce que je veux que ceux qui arrivent ici puissent prendre pleinement. Je veux que mon message sorte comme j'ai vu là aujourd'hui. Donc je sais que vous tombez là, vous venez de vous réveiller. Et puis on vous entend, je vois sur Facebook, vous zappez un peu. Et vous tombez sur moi. Personne ne détient votre vie. Même pas moi. Même pas Dieu. Parce que Dieu a déjà tout fait. Donc arrêtez, il y a les phrases que vous allez commencer à arrêter. Oh, si Dieu le veut. What? Si Dieu. Non, tu sais, pas la volonté de Dieu. Non. Il y a un niveau spirituel où tu arrives. Hein. Tu connais que ça va marcher. You know that you know. Parce que tu as fait tes devoirs. Comme quelqu'un qui part à l'examen. Tu sais que tu vas passer parce que tu sais que tu as étudié. Parce que tu sais que je maîtrise. Je vous dis que tu peux arriver spirituellement à un niveau où tu maîtrises. Tu restes comme ça, tu sais que la maladie ne peut pas passer chez moi. Je ne peux pas manquer. Pas que je ne manque pas seulement, mais je me manque au-dessus de ce que j'avais pu imaginer. Ce matin, je me suis réveillée dans le groupe de prière. J'ai dit, envoyez-moi les photos de vos voitures. Depuis 2 jours, je fais que vous dites ça. Quelle est ta voiture de rêve? Quand il te dit que le mot doit sortir dans ta bouche, la tape une fois. Tu dois connaître le modèle, tu dois connaître le prix, tu dois connaître là où c'est. Maintenant, je viens ce matin vous introduire à la partie pratique de Dieu. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui va se connecter plus tard. Je viens enlever la religion de leur esprit. Je secoue la religion, que ça tombe, comme on secoue un pommier. Que tout ce qui n'était pas de toi, Seigneur, les choses qu'ils ont apprises pour faire plaisir au pasteur avant, que ça tombe, Seigneur. Que ce qu'ils ont hérité de leurs grands-parents, les superstitions, que ça disparaisse aujourd'hui. Que ce qu'ils ont vu, ils ont imité. Sans avoir la foi, sans avoir vu par ce que toi tu as montré, que ça tombe aujourd'hui.
Père, voilà le premier. Je sais que les 4 dernières semaines, tu as changé la vie de certaines personnes. Parce qu'elles ont osé croire. Que ceux qui m'écoutent avaient le compte bancaire vide. Vous vivez sur le canapé de quelqu'un. Vous êtes dans le lit avec quelqu'un qui vous opprime et vous savez que je dois partir d'ici. Que le Seigneur ouvre votre compréhension. Qu'il vous montre combien sont avec vous parce que vous n'êtes pas seul. Là, maintenant, vous m'écoutez de votre chambre, sûrement, ou vous entrez partir au boulot. Il y en a parmi vous, c'est le mois-ci que vous allez arrêter de travailler pour quelqu'un. Et comment on doit prophétiser? Seigneur, que ce soit que tes enfants écoutent ceci et que leur foi arrive à un autre degré. Qu'ils deviennent fous dans la foi. J'enlève les peurs. Les peurs de manquer financièrement. Peur que ça finisse. Et je les connecte au flot divin. Par cet enseignement. Père, je viens réveiller les financeurs du royaume. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être des tycoons. Déjà que tu restes comme ça, pour toi, 5 millions d'euros, c'est rien. Tu es encore là, tu n'arrives même pas à avoir 5 euros aujourd'hui pour te payer le transport. Je viens les sortir de la prison spirituelle dans laquelle ils ont été mis. J'enlève la peur par les paroles qui sortent de ma bouche. Seigneur, je déclare que ceux qui vont agir par la foi, parce que tu ne fais pas de... Tu ne fais pas la discrimination, Seigneur. Dieu n'a pas de favori. Dieu ne va pas dire non parce que... Ouais, Jocelyne, c'est ma... Franchement, c'est ma favorite. C'est ma favorite. Dieu ne fait pas la discrimination. Dieu vous connaît autant qu'il me connaît. Seigneur, que tu leur révèles comment tu les aimes. Que tu leur montres ce qu'ils doivent donner et où ils doivent donner. Quand ils entendent, qu'ils obéissent. Et quand ils obéissent, Seigneur, pointe-toi dans les heures qui arrivent et accomplis ce que toi-même tu sais faire. Je prie au nom de Jésus. Amen. Oh, si vous saviez. Il y a un niveau où tu n'arrives plus à compter ton argent. Et c'est que vous checkez votre Orange Money tous les 2 minutes. Vous checkez votre compte bancaire tous les matins. Il y a un niveau où tu restes comme ça, là, tu te dis, mais attends, hier j'ai eu combien, on m'a fait combien de grosses. Tu essaies. Il y a un niveau où tu ne t'inquiètes plus quand tu penses à acheter la chaussure. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment, vous aimez vous habiller. Vous aimez les bonnes choses. Il y a un niveau où tu ne... Ok, ok. Tu arrives, on te dit, tu vois quand le vendeur a un peu peur, il dit, mais vraiment c'est cher. Oh, oh. Il y a un niveau où tu n'aimes plus le mot cher. Il y a un niveau où tu n'aimes plus le mot cher. Il y a un niveau où tu veux le shopping dans ta tête. Ah, mais si je veux, je peux prendre la couleur là. Ah, en fait, tu veux prendre toutes les couleurs. Oui, tu peux prendre toutes les couleurs. Oui. I'm going to take all the colors, you know. Il y a le genre de niveau là. Je connais ce que la pauvreté fait. Tu restes comme ça, tu dis que ma fille, si elle parle comme ça, elle ne sait pas que mon compte bancaire est vide. Tous ceux qui sortent, quand vous donnez dans un ministère, vous donnez à quelqu'un, même ceux qui me font des offrandes, vous donnez pour vous enrichir. Moi, quand je fais mes offrandes, quand Dieu me meurt, on dit que je donne. Je sais que non, non. L'argent qui me demande de donner là, dans les heures, dans minimum 24, maximum 24 heures, l'argent là, je sais comment me virer l'argent là. I know. Donc, s'il dit que je donne 500 000, 300 000, je sais qu'il y a 500 000 qui arrivent dans 24 heures. Et il y a des niveaux que vous ne pouvez pas espérer avoir si vous ne donnez pas. Si vous ne sortez pas, vous n'achetez pas. Voilà le premier. On n'a fait que quelques heures dans ce mois. C'est même le mois de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 31. Yeah, I got the keys. Oh, 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 hey, oh, oh, hey, oh, hey. Il y a un niveau où tu ne t'inquiètes plus. Donc, quand tu restes, tu ne crains plus les mauvaises nouvelles. Et
Comme Job, on va venir me dire en une journée que 5 de mes choses sont tombées. Oh, ma voiture a fait l'accident. Oh, mon enfant est tombé malade. Oh, ceci. Il y a un niveau où les mauvaises nouvelles ne te touchent plus, ça ne connaît plus ta maison. Beaucoup d'entre vous, vous êtes employés de quelqu'un. Vous n'arrivez pas à payer votre dîme. Et vous voulez depuis lancer votre propre activité. Dieu, c'est un businessman. Écoutez-moi bien. Même Satan, c'est un businessman. Va, tu donnes, que bloque-moi l'enfance. Bloquez-moi la famille. Là, la femme, là, ses enfants n'ont pas là en Europe. Tu as donné, non? Prends l'argent, tu donnes. Ils seront bloqués. Le jour où je suis resté comme ça, Dieu me dit, est-ce que tu sais que le monde spirituel fonctionne comme le monde physique? J'ai dit, comment? Il me dit, dans notre monde, tout se concrétise avec l'argent. À votre avis, pourquoi qu'on parle, c'est celui qui a l'argent qui vient contrôler. Tout votre truc que vous dites que non, moi j'ai l'onction, mes frères vont m'écouter. Man, if you got the money, si tu as l'argent, même quand tu fais l'erreur, en venant te dire que tu as fait l'erreur, on te parle différemment. Excuse-moi tata. Et c'est ta grande soeur de 10 ans. Hein. Excuse-moi tata. Je sais que, tu vois non, tu ne devais pas faire comme ça là non, tu vois un peu non, toi mais ne te fâche pas. Hein. Mettez mes cœurs, je sais que vous venez vous réveiller. J'espère que je suis en train de parler à votre esprit. Votre tête n'a pas encore pris le dessus. Et partagez ma vidéo, s'il vous plaît. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore en location, dans un coin où, depuis from, vous voulez sortir de là. Tu vas m'écouter 10 ans. Tu vas t'abonner à 50 pages de 50 pasteurs. Tant que tu ne peux pas sortir ce qu'il y a dans ta poche, tu donnes. Tu perds ton temps. Dis-moi bien, je vais vous dire la vérité. Oh, ah. Vous savez que je m'en fous, non? Vous savez, je vais vous dire la vérité. Oh, ah. C'est pour ça que tu es encore sur le canapé de ta soeur. C'est pour ça que ton école est encore payée par je ne sais qui aujourd'hui. Bonjour et merci pour les partages. Là, tu as toute la foi du monde. Tu pries, les gens sont guéris. Même eux, là, même ils fuient. Tu pries, les gens ont le boulot. Dès qu'ils ont le boulot, ils t'oublient. Dès qu'ils ont le boulot, ils t'oublient. J'en ai souvent parmi vous. Quand on me donnait la dîme, moi, on s'est dit, oh, écoute, hein, sors ta dîme avec la foi. Ce n'est pas moi qui fais que Dieu te bénisse. C'est ton don qui fait que Dieu te bénisse. Ben, papa, vous venez faire le travail avec moi, comment ça vous fâchez? Tu peux venir, tu tires ce qui est attiré de moi. Moi-même, je ne connais pas. Dieu peut te bénir à travers moi, il ne me bénit pas. Parce que tu es engagé. J'ai le fils d'une reine là. Il a 11 ans. L'autre jour, pendant qu'on faisait la prière, il passe. Il me salue souvent sur les directs. Elle dit qu'il veut te parler. Je parle de. Okay, je commence à lui parler. Après, je prie pour lui. Je prophétise sur sa vie. Hier soir, il me dit, il a insisté pour que je te donne. Je t'envoie son offrande. 10 000 francs. Son argent de beignet, il faut que je t'envoie ça. J'ai regardé, j'ai dit 11 ans. J'ai fait, oh. Seigneur, l'enfant s'y comprend. Tu vas voir le genre d'enfant, il va rester. Il va dire, papa, je veux ça, on va donner. Parce que quand il demande, avant que le père ne pense à acheter, que l'argent de ça est déjà venu. L'argent de ça est déjà venu. Et ça dit que c'est pour l'enfant là. Parce que l'enfant a sa foi. Votre foi ne dépend pas de la personne qui reçoit. Ouais, je donnais un nom, j'étais avec ce pasteur-ci là. Mais tu faisais trop, tu regardais trop le pasteur. Tu regardais trop le pasteur. Tu sais. Et en passant, le pasteur ne peut pas construire sa maison avec ta dîme. Ta dîme ne peut pas acheter le terrain.
Donc si tu penses un jour que c'est ce que tu donnes qui fait que ta dîme n'achète pas le terrain. You didn't hear me? Je ne sais pas pourquoi il y a trop de sorciers sur mon direct ce matin. Ta dîme n'achète pas le terrain quelque part. Mais ta dîme, c'est le canal pour te bénir. Écoutez bien. C'est la raison pour laquelle tu es toujours là où tu es là. Ça fait 15 ans. 15 ans que tu sais Dieu. Tu as tout fait. Dès qu'on parle à l'argent comme ça, là, ta tête se... Prenons Malachie. Malachie chapitre 3. C'est Dieu qui a parlé. Malachie 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez, de toutes les façons, il y aura la nourriture dans la maison de Dieu. De toutes les façons, tu m'en fais parfois, Dieu te dit, donne 400 euros à la femme. Tu vois la femme, non, oui, donne-lui 400 euros. Tu entends, tu dis, tu tournes, tu dis, arrière de moi, Satan. Envoie 500 euros à telle personne ou tel ministère. Tu te tournes, arrête de moi, Satan. La personne peut-être était sans abri, cherchait un logement et avait besoin de 400 euros pour compléter sa caution et payer son logement. Deux mois plus tard, la personne te dit, j'ai aménagé, j'ai même payé mes canapés. Tu vois, dit, ouais, Dieu m'a fait de lui donner l'argent. Hein. De toutes les façons, Dieu fera ce qu'il a fait. C'est pour ça que, quand Dieu me parle, si elle est orphelin à qui tu dois donner, ne donne pas, ils vont tout partir à l'école. Vous comprenez? Ne donne pas. Ils vont toujours partir à l'école. Ils vont manger. Tu auras la tête à part. Mon message chauffe ce matin, ça brûle. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire qu'il y aura toujours la nourriture dans la maison de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Seigneur, j'ai payé ma dîme. Je te teste. Toi-même, tu as dit de te mettre à l'épreuve. Bonjour tout le monde. Je veux voir maintenant comment tu ouvres les écluses des cieux. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Pas pour votre pasteur. Pas pour l'orphelinat. Pas pour, je ne sais pas à qui Dieu vous a dit de donner. Ton don, ce n'est pas pour ton pasteur, c'est pour toi. Oh, je prêche bien ce matin. This is so sweet. This is honey to my tongue. Tu ne me fais pas une faveur quand tu payes la dîme, mon cher. Ou ma chère. Tu ne t'écoutes. Tu t'aides. You help yourself. You hear me? Le volume est bon. Tu crois que tes 5 000 que tu devais donner là, 5 000. On dépense 5 000 en une minute. 50 000 en 10 minutes. Ton don, ce n'est pas pour la personne à qui tu donnes. C'est pour toi. Si ça rentre dans ta tête, c'est bon pour toi. C'est pour ça que souvent quand vous voyez, oh, Dieu m'a dit, ne tue pas, tu offres telle chose à quelqu'un. Après tu regardes ton téléphone, est-ce qu'il m'a dit merci? Ah, il n'a pas dit merci, il est ingrat. Après demain, tu te lèves le matin, 6h, tu regardes. Il n'a pas dit merci, est-ce qu'il a même vu? Après tu fais comme si, tu as vu le paquet que j'ai envoyé? Ton merci là, hein, tu as déjà reçu ta récompense. Observez les gens qui ont l'argent autour de vous. Parfois quand ils donnent même, ça vous énerve.
100 000. 200 000. Ça fait seulement 20 000 que tu avais lu. Bonjour. Certains parmi vous, la dîme, c'est le petit niveau. Donc, la dîme, c'est les 2% de ce que tu vas commencer à donner. Et tu as la peine à sortir 10% de tes revenus. Ah, c'est beaucoup. Hey. Si la dîme, c'est 10% de ce qui va sortir de ta poche pour donner. Et que je te dis que la dîme, à un moment, ce sera même 2% de tes dons. Ça veut dire que ce qui va entrer dans ta poche. Donc, tu restes ton salaire sur le papier, c'est 500 000. Tu te retrouves en train d'avoir fait les dons de 450 000 aux gens. Ton loyer, c'est 300 000. Tu vis. Donc, par mois, toi, tu vis sur 800 000. Tu touches 500 000. Tu donnes 450 000. Tu vois que les calculs ne s'ajoutent pas, non? Ça veut dire qu'il y a l'argent qui vient de partout. Tu te retrouves à 1,5 million, 2 millions par mois. Alors que le boulot que tu vas faire deux fois la semaine, là, on te donne 500 000. Ça veut dire qu'il y a 1 million qui sort de quelque part. Chaque mois. Listen very well. Vous êtes trop limité. Tu vois ton petit loyer que tu payes là, ton petit loyer 50 000 ans. Tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Malachie 3, c'est avant la dernière partie qui est avant Matthieu dans la Bible. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Malachie 3, verset 11. Je parle avant la fin du verset 10. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tchai, parfois je reste comme ça, je vais méditer. Je cherche la position sur le lit. Je me lève même, je cherche la position. Donc en fait, voilà le premier, votre salaire arrive. Beaucoup d'entre vous, vous avez vu qu'en septembre, là, vous n'avez rien ne s'est gâté dans votre maison. La voiture ne s'est pas gâtée. Personne n'est tombé malade. Et là, le 1er septembre, tu avais sorti ta dîme. Ah, yeah, yeah, yeah. Le 1er septembre, tu avais sorti ta dîme. Et quand tu comptes ce que tu as donné au mois de septembre, hey, oh, oh. Je vous ai dit que il y a une autre dimension. C'est vrai que quand je prêche ici, beaucoup de personnes, vous n'êtes pas bon dans la dimension là. C'est la dimension 5D. Sur les papiers, tu es censé avoir 250 000 le mois. Mais quand tu regardes tes dépenses à la fin du mois, tu es dans 800 000. Tu vois ce que tu as mis de côté. Tu es dans 300 000. Tu dis... quelque chose s'est passé. Le spirituel ne peut pas, tu ne peux pas comprendre. You cannot get it. Mais tu dois seulement faire. Si je ne répands pas sur vous. Donc voyez un peu, il pleut actuellement à Douala. Si vous êtes à Douala, il pleut. La pluie est en train de tomber là. Il dit, paye ta dîme. La pluie va tomber sur toi. Imaginez si chaque goutte de pluie qui est en train de tomber actuellement contenait 10 ou 15 ou 20 ou 50 euros. Une goutte, 100 euros. Une goutte, 100 euros. Laissez un peu, ça tombe. Et il y a des gens sur cette terre que toutes les secondes, 100 euros entrent dans leur compte. Je veux casser votre... I want to smash your belief. Je veux casser la tête pour votre compréhension là. On vous a trop limité. Tu sais, ne dépense pas trop. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Bonjour et bienvenue. Dans la ville où vous êtes, dans le pays où vous êtes, il y a les gens. Quand ils se lèvent, ils dépensent. Il se fatigue, l'argent revient encore, whoop, ça ne rentre plus le compte. Il dit, mais qu'est-ce qu'il peut encore faire? On peut aller où? On va à Dubaï, on va où? On va en Suisse, on va où?
dans votre pays, hein. Écoutez-moi bien, là où vous êtes. Et vous êtes là, vous n'arrivez même pas à manger aujourd'hui. Vous êtes là, le loyer, oh, le premier là, yeah, yeah, le loyer, yeah, yeah, yeah. Hey, ce n'est que le 7 que je pourrais. I want to get you blessed. Je veux que vous soyez bénis. Quand il compris la dimension, c'est... C'est le genre de dimension que tu lances un projet, tu es en train de construire la maison, tu vas acheter le terrain. On te dit que le mètre carré ici, c'est 30 000. Tu rentres, Dieu te dit que je t'ai dit d'acheter, tu vas acheter 1000 mètres carrés là-bas. Tu dis, ok, God. Deux jours plus tard, quelqu'un te dit, je vais te connecter à une femme qui est en devant son terrain, elle a acheté ça, ça fait 40 ans. Elle fait seulement à 12 000 francs le mètre carré. Dans la zone que tu voulais, on t'a dit que c'est 30 000. Tu as payé ta dîme au début du mois. Oh, thank you, Seigneur, je t'en prie, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de tes enfants. La dîme fait que tu arrives aux impôts, on te dit, bonjour, ma reine Meka. Tu arrives aux impôts, on te dit, madame, pour cette année, vous allez payer, vos impôts seront de 2 millions. Tu as payé ta dîme. En sortant de là, tu croises un homme, il te dit, attends, je vais te connecter à mon comptable. Le comptable te dit, mais madame, regardez, ici là, le monsieur des impôts voulait vous escroquer, la bête voulait, mais vous n'avez pas besoin de payer ça, de remplir seulement déclaré comme ça, ce n'est pas le faux, hein. Tu te retrouves à te payer 700 000. Alors qu'on te disait 2 millions. La dîme fait les choses. Parfois, vous savez quoi? Ce que je vais faire, je vais collecter les témoignages. Je vais venir les lire. Parce que parfois, vous restez comme ça, là, vous vous dites, elle veut mon argent. Hein? T'es 150 000, 200 000 là. 200 000, tu sais en combien de d'heures, moi, je dépense 200 000? Arrêtez. Parfois, vous devez sortir de votre bulle. La dîme fait que souvent, tu dis, je veux un frigo américain. Ok, j'ai vu le oui, c'était 800 000, oui. Je vais acheter ça aujourd'hui. Quand tu arrives au shop, oh, bonjour madame, oh, nous avons les promos aujourd'hui. 400 000 pour vous aujourd'hui, madame. Garantie de 2 ans, s'il vous plaît. Tu viens d'économiser 400 000. Je veux vous amener dans un autre niveau spirituel. Arrêtez, arrêtez. Oh, Seigneur. On te dit qu'on ne peut pas te donner le visa. Tu n'as pas tous les papiers qu'il faut, tu sais. Ne pas me pas demander, n'espère même pas. Hé, hey, je paye ma dîme. Listen, mon cas est différent. Tu vas, tu déposes ton dossier. Le jour où tu arrives, la secrétaire regarde ton dossier. Elle ne sait pas pourquoi elle t'aime. Ta tête lui plaît. Madame, vous savez quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. Je vous aime bien. Thank you so much. Thanks for the compliment. Je vous aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime. Bonjour, bonjour, good morning. Vous savez quoi? Votre application, je vais mettre un mot particulier dessus. Oui. Ouais. Je vais vous donner le numéro d'un monsieur, oui, oui. Il va savoir comment écrire votre lettre de motivation. Tu vas voir le monsieur, tu vas me lui donner l'argent. Il te dit, non, c'est elle qui t'a référé, c'est une bonne amie à moi. Elle m'a dit que tu es une très bonne amie à elle. Je l'ai rencontrée seulement hier. Ok. 2 semaines plus tard, tu as ton visa dans ta main. Écoutez, il y a une dimension de faveur que vous ne connaissez pas encore. Tous vos emplois vous donnent les maux de tête. Quand on fait les problèmes à la banque, c'est votre compte qui est bloqué.
Tu as tous les papiers. Hein? Madame, on ne sait pas pourquoi. L'impôt fait, ils font les zéros aux impôts là. Ils viennent, ils scellent ta boutique alors que tu as tout payé. Sur le papier, on voit que tu n'as pas payé. Ha ha! Hey! Parce que quand. J'ai envie de sauter, j'ai envie de danser. Octobre, ce sera la chimamelu. Seigneur, Seigneur! Ça fait 10 ans que vous l'achetez le terrain. Le mois d'octobre, si vous allez acheter. Demain. En fait, quelle prophétise, je n'aime même plus que vous. Je n'aime même plus les amen, amen. Parce que je sais que c'est ça. Vous voyez le genre d'amen, que la personne va dire amen, après elle va s'asseoir. Hé hey, Seigneur, est-ce que tu vas me le faire? What? J'ai vu les choses dans ma vie. Oh Seigneur. Quelqu'un te dit, tu sais, je peux changer ta vie. Hein. Moi, je peux prendre ton business. J'ai mon ami au Canada. Oui. Viens me voir. Je vais te connecter avec lui. Tu pars chez lui 2 ou 3 fois. Tu vois que le plan de l'homme, c'est là. Tu es un peu un décepticon. Dieu te dit que, est-ce que tu as besoin de lui? Voilà le premier, tu sors ta dîme. Bam, tu payes. Dieu te dit ne pas plus le voir, ne pas plus chez lui. D'accord, tu ne pars plus. 3 jours plus tard, un de tes amis d'enfance, ça fait 15 ans, il cherche ton nom dans sa tête. Il tombe sur toi sur Facebook. Il dit, ma copine, je te cherche depuis. Yay! Je suis maintenant au Canada. Je fais dans le Forex. Le mois passé, tu cherchais quelqu'un qui devait te connecter à quelqu'un au Canada dans le Forex. Ah, Seigneur, Seigneur, parle-leur. Bonjour, bonjour. Vous n'avez pas besoin de me mettre les likes, mais mettez quand même. Mais je sais que les gens qui... Il y en a parmi vous, vous ne commentez même pas parce que vous connaissez. Donc, on n'a pas besoin de vous parler pour la dîme. Vous connaissez ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ce qu'il fait encore. Vous connaissez. Donc le genre que tu ne veux pas discuter avec quelqu'un. Dès que ça entre, ça fait comme ça là, pam, tu fais un pam, tu fais ta dîme. Parce que tu connais. Que ma prochaine paye, mon prochain agent qui arrive dans quelques heures là, j'ai reçu l'autre à 7 heures. L'autre qui viendra peut-être à 14 heures, je n'ai pas de promesse de paiement. Personne ne m'a dit non de l'argent. Mais ce qui arrive à 9 heures là, il faut que paie ma dîme maintenant. Le Seigneur, il nous charge quotidiennement de bénéfices, de faveurs. He loads us daily with benefits. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire que chaque jour, il y a un pain. Mais Seigneur, j'étais habitué à recevoir ma paye une fois par mois. Depuis quelques semaines, je fais que vous dites sur la page, c'est là que vous allez arriver à un niveau où, hein, ça c'est avant la fin de ce mois. Chaque jour, l'argent va dans votre compte. Chaque jour, tu te connectes le soir, 2000 euros. Le lendemain, 3000 euros. Après-demain, 2500 euros. Après-demain, tu dis, yay. Après, tu as encore une idée de dire que non, yay, mamie, c'est. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre vous et les gens qui reçoivent 1 million de dollars chaque jour? Ils n'ont pas le cœur qui bat comme pour vous. Ils n'ont pas le cœur qui bat comme pour vous. Moi, je veux des hommes et des femmes d'action. Écoutez. Soyez le Jacques. Avant que ta tête me dise, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Il y a des moments où, dans le sommeil, je paye ma dîme. Je paye, je me couche, je dors. Je me réveille, je vois qu'il y a deux dépôts dans mon compte. Donc, je fais comme ça là. Un œil. Opération un œil. Tu vois, quand tu t'es tapé dans le noir là, tu vois ça là. Après, tu reçois le message que c'est parti.
Tu te couches, tu dors. Le matin, tu te réveilles. Que dès que tu as payé ta dîme, l'esprit ça a bougé quelqu'un quelque part. Lève-toi, tu la payes. Lève-toi, tu envoies maintenant. Même le compte, même les systèmes bancaires. Donc, le genre que la machine, même électroniquement, la machine, ça rappelle que ton nom sort seulement sur l'écran de quelqu'un. Ping. Le spirituel est. Je n'ai pas parlé de l'aspect santé. Je suis seulement sur l'argent. Ne dis même pas qu'on vole Dieu. On se trompe soi-même. Valérie, je ne veux même pas effrayer les gens. Beaucoup de personnes ont entendu parler des dîmes. Certains ont entendu parler. Tu ne voles pas Dieu, tu te voles toi-même. C'est un peu comme si tu vois Bill Gates. Tu vois quelqu'un avec une fortune de. Ou bien Jeff Bezos. Quelqu'un te dit qu'il a 300 milliards de dollars. Tu dis non, moi je ne vais pas lui donner. Je ne vais pas lui donner 100 000. Écoute. Ou bien non, tu ne voles pas Dieu. Dieu a l'or et l'argent. Le ciel et la terre. Tu vas le. Ou par exemple quoi? Arrêtez de faire comme si Dieu c'est un mendiant qui est dans la rue avec le. Il fait ching ching. Ayez pitié de moi s'il vous plaît. Ching ching. Payez votre dîme s'il vous plaît. Madame, il n'y a rien pour moi. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous avez vu. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc Dieu manque. Je vous ai dit au départ que Dieu donnera de toutes les façons à la personne à qui il vous dit de donner. Donc ne vous inquiétez pas. S'il a dit à quelqu'un que va construire telle église, fais ça. Et que toi, il t'a parlé que va donner à tel ministère, va donner à telle personne. Ne donne pas. La personne va toujours faire ce qu'elle t'appelle à faire. À un moment, quand je me rappelle quand Dieu m'a mis ça à cœur, ça m'énervait. Ok, ça veut dire que si je ne donne pas à l'église aussi, comme ils sont en train de prévoir d'acheter 3 buildings là, donc ils vont toujours acheter le building. Dieu dit oui. Non, higher level. Tu sors de ta petite personne. Certains d'entre vous êtes trop. Ouais, je n'ai pas l'argent. Tu peux arrêter. Ah, je reçois mes cadeaux. La reine me cache. Je n'ai même pas vu. Je reçois mes cadeaux d'octobre. Je reçois. Je n'ai pas dormi la nuit, hier. Hey. Vision. Projet. Boy. Bien sûr. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Bonjour à tout le monde. Ah, Seigneur. Il y en a parmi vous, quand vous regardez ce que vous avez fait dans les 4 dernières semaines, en août, vous ne viviez pas dans l'environnement que vous avez maintenant. Donc 4 semaines, 31 août, 30 septembre, regarde autour de toi. Tu as acheté ça, tu as acheté ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La dîme change la façon dont tu vois la valeur de l'argent. C'était parmi vous quand j'ai dit 200 000. C'était quand j'ai dit 20 millions, mais 20 millions c'est rien. C'est rien, ça, c'est rien. Alors que le mois passé, quand on te disait 100 000, tu disais, oh, j'ai pas 100 000. 4 semaines plus tard, on te dit 10 millions. Tu dis, ben voilà, allons-y, voilà. C'est combien là-bas le terrain là? Oui, oui, on va acheter ça, oui, oui. 4 semaines. La dîme change ta vision. Comment toi, tu te vois? Est-ce que tu te vois comme un criquet devant un géant? Comme les enfants d'Israël, quand ils sont allés explorer la terre promise. Seigneur, ils sont trop grands pour nous, vraiment. On était comme les sauterelles devant eux. Quelques temps plus tard, ils repartent. On peut prendre la terre. We are well able to do it. Qu'est-ce qui a changé? Leur vision. Les mêmes géants sont là-bas. Les mêmes personnes sont là.
Certains parmi vous, hein, Dieu vous a dit de faire certaines conférences, d'aller dans certains endroits, faire certains trucs. Quand il vous a dit, vous avez cru, après, oh Seigneur, je ne peux pas, ouais, je ne peux pas. Vous allez pouvoir faire. Seulement que votre vision va encore revenir. Tu te lèves le matin comme ça là. Je vais ouvrir le compte bancaire. Avant, quand tu voyais 100 000 qu'il faut pour ouvrir le compte, là, 100 000 pour toi, il fallait que tu économises même pendant 3 mois pour avoir 100 000. Aujourd'hui, là, en un jour, tu portes 100 000, tu pars, tu donnes. Ta caution pour commencer le compte, ce n'est même plus 100 000. Tu te poses 1 million le premier jour. Alors qu'il y a de cela 6 semaines, tu ne pouvais pas penser à ça. Alors qu'il y a de cela 3 semaines, tu ne pouvais pas. Tout ce qui a changé, c'est ta vision. Quand ta vision change, ce que tu demandes aussi aux gens change. Avant, tu ne pouvais pas dire à quelqu'un que, ok, je t'ai donné ma prestation, non? Donne-moi 5 000 francs CFA. Non, tu sais, moi je fais ça pour Dieu, ne t'inquiète pas, non. Non. J'annonce même en passant déjà, je ne fais plus les consultations. Ouais. Tous ceux qui ont payé, parce que j'ai une lignée au moins de, j'ai au moins 7 ou 10 personnes qui sont en file d'attente. Je ne fais plus les consultations. J'ai élevé le niveau de certaines choses que je fais. Donc, c'est juste comme ça en passant. Je suis tellement occupée. Je suis tellement occupée. Je n'arrive plus à tenir. Les 3 derniers jours, je n'ai pas pu consulter quelqu'un. Donc, ouais. La dîme. La dîme. Je crois qu'il avait fait une chanson sur la dîme. Oh la dîme, la dîme, la dîme. Non, attendez, je cherche le vent. La dîme. Attendez. On va trouver. On parle d'une maladie, ça disparaît seul. Ouais. Je n'ai pas encore touché sur la santé. Je vous dis que je suis encore seulement dans les finances. Et moi, je suis encore passé sur la santé. Et vous allez voir que ce dont l'argent est tellement, il y a un niveau où tu ne penses même plus à la maladie. Donc, quand tu as le pied fait mal, tu passes seulement, tu passes. Donc, la maladie n'est même plus. Tu as vu quelqu'un qui a beaucoup d'argent, une belle voiture, bien sapée, tout ça là. Il te dit qu'il a mal à l'estomac. Tu sais, j'ai mal à l'estomac. Non. Prospérité. La prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. Faveur. Santé. Vision. Et écoutez, ce que vous avez maintenant, ce n'est rien comparé à ce que vous allez avoir. C'est pour ça que cherchez la vision plus que vous ne cherchez. C'était ma mère, hey, donne-moi mes 50 000. Il y a des gens qui, vous devez leur pardonner leur dette aujourd'hui. Pardonnez leur dette aujourd'hui. Que tu ne me dois plus rien. Va en paix. Parce que quand je pense à mon argent, je vois les 300 000 que tu me dois là à chaque fois. Je pense à ça, non. Ça bloque mes 1 million qui voulaient venir depuis. Va en paix. Non, 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 je t'ai dit, je vais te donner. Non, 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 non. J'annule ta dette. Ah, des cancers, il y a dette. Oh, la dîme. La dîme. J'ai pas fini de lire. Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire que chez tout le monde, il y a quelqu'un qui vient pour dévorer. Quand vous refusez de payer vos dîmes, il y a les mois où est. Tu es donc, si tu ne payes pas ta dîme, tu es censé perdre au moins non, ton frigo va se gâter. Ta voiture, on va venir voler ton appareil. Tu vas oublier ton téléphone quelque part. Tu te retrouves à la fin du mois que tu as perdu ça, perdu ça, perdu ça, perdu ça. Si ça t'arrive fréquemment, check si tu payes ta dîme. Si tu payes déjà ta dîme, check. Et la dîme, ça vient dans tout. Hein. Je reçois mon salaire, 500 000, je paye ma dîme. 2 jours plus tard, je reçois 100 000 francs de quelqu'un. Je paye ma dîme.
Trois jours plus tard, je reçois encore 300 000 de quelqu'un. Je paye ma dîme. C'est la dîme que tu payes qui prépare ta prochaine entrée d'argent. Certains parmi vous êtes trop durs avec vous-même. Pardon, mettez amen sur ma vidéo. Mettez amen. Certains parmi vous êtes trop durs. Hé, si je dépense ça, ça va encore venir. Je vais prendre l'autre mot. Il y en a parmi vous. Dieu a déjà dit à quelqu'un même 5 fois que donne l'argent à la fille là. Mais parce que tu es dur avec ta dîme. Quand la femme là pense à te donner l'argent ou à te transférer l'argent, il y a un problème qui se passe. Quelque chose se passe, elle change d'avis. Tout se passe dans le spirituel. Avant que ça ne vienne vers toi, ça traverse même 5 poches. Ta dîme débloque les 5 poches là. Ton patron devait prendre à son banquier. Le banquier devait prendre aux gens à qui devaient à la banque. Les gens qui devaient à la banque devaient prendre à tel endroit. Donc, ça remonte sur 5 poches avant d'arriver chez toi. Débloquer, 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 débloquer. Maintenant, cherchez le bon endroit pour payer votre dîme. Demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que tu as donné à la femme si? Moi, je dis toujours le check, checking point. Où est-ce que je suis nourri spirituellement? Si tu es nourri quelque part, tu portes ta dîme, tu vas donner ailleurs. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Babe, don't worry. Do not worry. Do not worry. Il y a des gens qui n'ont pas de résultats chez qui vous donnez vos dîmes. Vous tapez dans l'onçon là. Ouais, c'était vraiment en 1999, c'était elle qui... Ce n'est pas l'ancienneté. C'est la connexion. Il y a des endroits où vous payez votre dîme, la période là. Donc tu vois comment ta vie changeait. Donc quand tu donnes comme ça, que pam, ça fait pam pam. À un moment, tu commences à dire que ah, je paye ma dîme là, elle n'est plus même pas pour moi. Depuis 5 mois, je te donne la dîme, tu fais comme si tu n'aimais. Moi, elle part. Tu pars, bim, bim, pas. Pas, hein? Ouais, souvent j'ai les riques. J'ai souvent les riques que je sors comme ça. Moi, je me dis, ouais. Ouais. Ta dîme doit se joindre à ta foi. Et il y en a parmi vous. Like, moi, je ne suis pas religieux, moi. Moi, je ne suis pas religieux. Je suis même allée chez un contexte bouddhiste. J'ai écouté une fois une femme en prière, elle va te dire, je parle de Bouddha, le Rashki, Rashkula, le Tao, le tout ça. Elle parle de la dîme. Je l'écoute, je dis, what? J'étais à l'église quand j'écoutais les pasteurs me parler de dîme. Je viens ici, tu vois la femme, tu me parles de dîme encore. Ah, c'est comment dîme, tu me suis pas tout. Lisons. Verset 11 de Malachie 3. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Il y a quelqu'un qui sort pour détruire les plans de ton business. Ça t'est déjà arrivé, tu planifies quelque chose. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu sors, tu vas chercher le magasin. Dès que tu tournes, tu commences à sentir problème. Tu fais dans l'agriculture, tu sèmes. Après, on te dit qu'il y a une qualité d'insecte qui est venue, ça ne fait que ronger les coins côté de tes fruits. C'est spirituel. Quand tu payes, t'as dit, mais
tout ce qui est attaché à toi, tes enfants, ton business, tes employés, ta maison, ta voiture, quoi d'autre? Tout ce qui est attaché à toi, que tu touches ou que c'est pour toi, ou que tu dis que c'est mon, c'est influencé et impacté. Ton compte bancaire, ton téléphone. C'était pas mis pour vos téléphones, ou est-ce que ça la coupe, ton téléphone, ça meurt. I lay hands on my phone, you know. J'exorcise mon téléphone. Chakarabaka saka, au nom de Jésus. Bzz. Je priais sur mon téléphone, mon frigo. Hein. J'avais un frigo américain en Angleterre. Ça, c'était encore les périodes où la galère me touchait. Tu ouvres, j'ai un grand frigo. Hein. Mais tu ouvres comme ça, là, c'est vide. Tu vois le bobolo. Peut-être 2 millions d'euros comme ça, là. C'est tout. Avec 3 œufs. J'ai bien précisé, là où tu es nourri spirituellement, c'était parmi vous, c'est pas à l'église que vous êtes nourri. Le pauvre à qui tu donnes ta dîme là, est-ce que tu reçois spirituellement quelque chose de lui? Parce qu'après la dîme maintenant, il y a ce que tu donnes au pauvre. Hein? C'est ça que tu dis à la dîme là, vous dites ok, ça veut dire qu'il y en a parmi vous, c'est même 30% de vos revenus que vous allez donner. 10% dîme, 5% offrande, 5% orphelinat, 5% ma mère ou ma grand-mère, 5% mes neveux. Tu te retrouves en train de sortir même 35% de tes revenus. Donc on ne se limite pas à 10%, s'il vous plaît. Ouais, je vais vous faire dépenser. Vous allez vous. Ouais, Seigneur. 10% te dépasse déjà. Et moi, il vient de dire que tu vas dépenser 35%. Non. Non. Yes. Yes. Il y a même 5% que tu vas dans ton quartier, il y a un lampadaire qui manque. Tu sors 100 000, tu dis réparer mon lampadaire là. Chaque fois que quelqu'un passe là-bas, ça l'illumine. Il dit merci Seigneur pour la vie de la personne qui a fait le lampadaire ici. Voilà la bénédiction qui vient sur toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Pas qu'ils ne connaissent pas dans le sens, c'est juste qu'ils ne sont pas là. Jésus te bénisse. Jésus, Dieu m'a dit que. Mais ils sont connectés. Tu vas voir peut-être Bill Gates. Il va te dire que je donne 40% de mes revenus pour telle cause. Toi, tu vas rester, tu vas dire, ah, moi, vous n'avez pas encore commencé à donner. Souvent, je reste sur ça, Dieu me dit, il y aura des moments où tu vas sortir même 2 millions de francs CFA comme ça là. Tu fais le don là-bas, tu fais ça avec. Et quand tu sors ça, ça ne te. Te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Et le mois là, hein, l'argent qui va entrer dans ta poche, hein, généralement tes revenus, c'est par mois, supposons 4 millions. Tu te mets au challenge, tu portes 2 millions, tu donnes. Le mois là, tu fais 6 millions de chiffre d'affaires. Tu dis, what? Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Onna. Onna. Bonjour Stéphane. Onna. I want to blow your minds off. I'm here to blow your minds. I'm here to blow your minds. Enlevez-moi les limitations là. Remove the barriers. Il y en a parmi vous, vous n'avez jamais rêvé que vous pouvez acheter une maison cash quelque part. Tu portes 100 millions, tu donnes à quelqu'un. Moi, comment? It's coming, babe. Ça arrive. Ça arrive. Yes. L'onction qui est sang le matin, c'est là. Chai. Ou octobre, si ce sera que quel niveau encore là. Déjà que les 4 semaines de septembre, c'est là. Même jusqu'à la dernière heure de septembre, c'était le roi.
les idées, les collaborations, les ceci, les projets. Tu sors pour aller faire un truc que d'habitude, ça prend 3 semaines pour faire. On te fait ça là, là, là. C'est à 23 heures qu'on finalise avec ton papier, on t'envoie ça. Alors qu'il ne travaille pas la nuit. On dit, madame, c'est confirmé, venez, ça m'a cherché demain. Oh. Ah! God is about to do something. Il va inscrire votre nom dans la tête de votre banquier. Parce que madame, je ne sais pas pourquoi, je pense beaucoup à vous, mais est-ce que vous savez que... c'est vrai que ça fait seulement 3 mois que vous êtes avec nous, mais je ressens l'envie de vous proposer ça, madame. Ah. Ah. Aïcha Chocola. Sensible à la misère. Ça, quand je t'entends parler là, c'est un peu genre... Quand tu es sensible à la misère, tu ne rentres pas dans la misère des gens avec eux. Je reste dans mon palais, je te bénis. Écoutez-moi bien. Je reste dans mon truc, je te bénis. Je n'ai pas besoin d'aller pleurer avec toi. Je n'aime même pas le mot misère. Et ne donnez pas parce que vous avez pitié de quelqu'un. Non. Tu vois, quand tu sais que tu vas donner, tu like, you're excited. You're like, I feel like, I'm gonna give. Je sais pas pourquoi, mais je vais faire un don. Hey, I'm about to give. Pas le genre. Vraiment, je sais pas pourquoi, vraiment. Ouais, comment tu peux souffrir comme ça? Comment quelqu'un peut souffrir comme ça? Quoi? Je suis contente. I'm about to give you something, babe. Et juste en passant, quand vous donnez, ne donnez pas petit. Donnez quelque chose que ça peut payer même un mois de loyer à quelqu'un. Ne fais pas le genre de don qu'elle va aller acheter le biscuit à la boutique. Ça. Commencez à être le genre que si quelqu'un a son anniversaire, tu dis j'achète toute la boisson de l'événement, c'est moi qui achète. Pas le genre que ouais, je vais te faire un petit cadeau de 2000 francs. Tu vas manger pour 10 000 à la fête. That's too small. That's small mind. Il faut devenir le genre que quand je dis que Jocelyne a donné quelque chose, ou j'ai hâte de voir ce qu'elle a donné. Qu'est-ce que Jocelyne a donné? Ouh. Depuis que je suis née, on m'a jamais fait ce genre de cadeau. Vraiment, merci. Ah, mais je suis toute contente. Ça me faisait plaisir de te donner, tu sais. Changez votre mentalité. Hey. Hey. J'ai toujours des musiques dans ma tête. Continuons. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que vous vous investissez dans quelque chose, tu travailles dessus, après ça ne donne rien. Ça veut dire qu'il y a des projets que l'ennemi a pour toi. Tu as dépensé 2 millions pour demander le visa là. Tu as tout fait, tout est après. Dernière minute, ça fait un pian. Et l'argent n'était pas remboursable, s'il te plaît. Tu as fait le crédit de 2 millions à la banque. Maintenant, tes 12 prochains mois, il faut que tu rembourses. Avant de voir comment tu vas encore faire pour reprendre. Ça veut dire qu'il y a un dévoreur qui sort pour manger ton fruit, pour manger ta récolte. Pour manger tes attentes, parce que quand j'attends un fruit pour manger même ta grossesse, parce que Dieu me demande l'image des fausses couches.
temps que tu es censé avoir ça comme ça, ça disparaît. Ça, ce n'est pas Dieu. Bonjour, Brigitte. Il y a quelqu'un qui sort pour détruire les fruits de ta terre. Il y a quelqu'un qui sort pour rendre stérile ton travail. Analysez votre passé, non? Avant que vous ne tombiez sur ma page. Oui, on trouve que ton passeport a un problème, oui. Bonjour, bonjour. On te dit, tu ne sais même pas d'où le problème là sort. Hein. Et quand ça va, on te dit, ah, je savais. Je savais. Je savais. Je veux vous tourner l'esprit de telle façon que quand vous partez donner, vous savez que vous savez que vous savez que ça va donner. I know that, I know that, I know. This shit is gonna work. You know what? This shit is gonna work. I'm telling ya. J'ai eu un projet là que j'ai pas encore fait le genre là dans ma tête. Ce matin à 4 heures, Dieu me met ça à cœur comme ça là, je saute, je fais yeah! Vous, si vous dormez avec moi, vraiment. Je dis yeah, yeah, yeah! Et puis il me dit. Après, une pensée commence à venir. Oh, oh, Jocelyne, tu n'es pas encore parti là-bas. Tu n'as pas encore fait ça. J'ai dit, toi, tu sors d'où? Get there behind me, Satan. Satan est là-dedans. Hein. Le genre de pays que tu n'as jamais osé demander le visa parce que tu te dis qu'on ne peut pas te donner là. Hein? Hein? Ça a commencé où? Dans ta tête. Je me rappelle quand j'ai demandé le visa pour aller en Angleterre. C'était en 2008. Je suis arrivée en Europe du pays. Je voyais toujours les enfants des riches qui partaient en Angleterre. Oh wow, you're so good, you know. I just, your dad, he has so much money, you know. La caution, c'est 18 millions. Il dit, ha, mon père ne peut, hey, mon père peut pas mettre ses 18 millions pour moi. Moi, il savait, il y a que mon sort était scellé. J'arrive en France, en Belgique. Et vraiment, je remercie Dieu pour le père de ma fille. J'ai un baby daddy que, aïe, il a une foi. Chai! Chai! Il avait seulement 22 ans. Il me dit, est-ce que tu sais que tu peux avoir, tu peux venir en Angleterre? Il m'a dit, mais, regarde, c'est là. Ok, tell me more. On est tombé à l'époque sur un monsieur qui faisait, il faisait tes papiers. On lui a donné, je crois, je me rappelle absolument pas. J'ai fait mon premier job étudiant là-bas pour l'été là. J'ai eu 1500 euros. J'ai payé mon inscription 700 euros. Voilà. Donc il est tombé sur, il a eu pour ami le directeur d'une école. Il avait 22 ans, mais ses amis c'était les directeurs d'école en Angleterre. Laisse comme ça. Il dit, j'ai un ami, c'est là qui est à l'école. Il va te faire la lettre, tu vas venir. L'école était agréée. Voilà, j'ai ma lettre d'école. Alors que pour avoir la lettre, normalement, il me fallait au moins 2000 pounds que j'ai payé. Je crois qu'il nous a donné la lettre gratuitement. Quand il devait arriver, maintenant, je devais donner peut-être 700 pounds pour payer la pension, après payer chaque mois. Après, la première période où j'ai un ami qui m'écrit, il me dit, est-ce que tu sais comment j'ai mes papiers pour aller au Canada? Voilà, il me montre le processus par lequel il est passé. Je dis, toi aussi, tu peux faire ça. J'ai fait mes papiers en 3 semaines et je n'ai même pas dit à la personne avec qui... Je crois que ma tante était décédée, donc on était à la maison, ça là, j'ai fait mes papiers, je n'ai pas dit à quelqu'un de ma famille. Je suis partie déposer comme les blagues. On m'a donné le visa comme les blagues. Le jour où je prends le passeport, il regarde. J'ai dit que mince, la vie c'est là. Peut-être que vous parlez, vous n'avez pas 50 000 dans votre compte. Quel est le pays que Dieu vous met à cœur maintenant là, quand il vous parle là? Maintenant, écrivez ici là. You don't understand me. You know, I want to take you to this planet. Come with me, boy. Ce matin, je me suis dans le groupe de prière. J'ai dit, envoyez-moi les photos de vos voitures, vos futures voitures là. Envoyez ça. Vos futures maisons. Envoyez-moi ça. Boy, we got so much to do. Et je vous annonce que les maisons que vous m'avez envoyées là, ce sera l'une de vos maisons.
Ça ne sera pas like the house, like this is the house. This is the house. Non. Ce sera l'une de vos maisons. Écoutez-moi bien. One of. Tu vois que déjà pour l'instant, tu n'as même pas la foi de croire que tu peux avoir une maison de 300 000 euros. Je viens te dire que ce sera l'une de tes maisons. Hé, hey, la fille, c'est là, tu veux m'amener où? Tu veux m'amener où? Oui, je t'amène. Ça ne fait que 4 semaines que tu m'écoutes. Boy, en décembre, quand tu vas regarder ta vie. Oh, Jesus. Nathalie, États-Unis, là, ne t'inquiète pas. Je t'ai envoyé un message avant de faire le direct, sinon. Je vais t'appeler après ça. Il y a les choses. Il y a les choses. Il y a les choses dans le sac qui se préparent. La sauce est prête. Il faut venir manger. J'ai envie de courir aujourd'hui. J'ai envie de sauter. J'ai envie de. Ça, c'est un premier. Ça, c'est un premier. Chey. Jesus. Mon frère est censé me dire que si un jour je vois le lion, je vais rugir le lion là-bas, fuir. Et regarde, je vais le voir, il va me dire, ah, il va être pardon. Excusez-moi, je me suis trompé de route. Attends, papa là-bas. Ouais. Il dit que certains d'entre vous comme ça là, je sens que vous, votre corps ne tient plus. Donc, vous êtes là comme ça là, votre corps. Aïe. Vous avez déjà vu, hein, où est la statue de la liberté? Oui. Avec les gros blousons là comme ça là. Mais oui, vous êtes à la statue de la liberté quand même. Mm-hmm. Certains vous voyez à Toronto. Oui. C'était à Melbourne. Boy! Si vous n'avez pas le passeport, allez faire le passeport s'il vous plaît. Première instruction. Quand vous finissez votre passeport, écrivez-moi, vous me dites, j'ai à me faire mon passeport. Vous m'entendez? Listen! Je suis là pour changer votre vie. Et je suis que ce que tu dessines, ce sera la même chose que Dieu m'a montré pour toi. Mais je suis levé ce matin, j'avais le feu seulement. Je vous ai déjà dit que quand vous allez écouter mes vidéos, vous allez sortir, vous allez vouloir gifler quelqu'un avec l'argent. Mais qu'est-ce qui arrive à la fusée? Tu prends un billet de 10 000 comme ça, tu dis pouf! On dit, hein? Quand les gens vont te voir arriver dans une pièce, ils seront tous contents. Seigneur! Seigneur! Et on n'a pas fini le passage. Vous voyez comment un texte, je n'arrive pas, depuis là, ils sont sur deux versets. Deux. Je me rappelle la première fois que je suis arrivée en bas de la tour Eiffel. La puissance de ce monument. Like, ça avait quelque chose. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai toujours vu la chose aussi à la télé. Il dit qu'il y avait quelque chose. Oh, shakarabaka, shakarabaka, son tarabasha. Je vous vois en train de voyager dans le spirituel. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de... Waouh. Avant la fin de l'année, il y a beaucoup de personnes qui m'ont voyagé. Je vous dis, je sais... Like... Vous savez, j'ai envie de sauter. Like, c'est... Wow! Recevez vos voyages, s'il vous plaît. Recevez. Même pour ceux que j'entends vos voix, je n'ai pas l'argent pour le passeport. Ce qu'il y a dans ta main là, va faire. Quand tu seras à Yaoundé pour faire tes photos, tout ça et tout là, tu vas voir. La foi, hein. Hey! La foi. Je suis en train de vous amener à une autre dimension de la foi. La dimension qui fait que tu as 3 millions dans ta main. Dieu te donne un projet de 2 950. Le transport, c'est 50 000. Tu te lèves, tu peux faire. Tu arrives, tu fais le premier paiement, 1 million. Tu regardes ton compte le soir, on a viré 2 millions. Tu dis, hey, demain tu vas encore 1 million. Tu regardes le soir, on t'a viré 2 millions. Tu dis, what's happening? Est-ce que j'ai accès à une machine virtuelle là? C'est le cash machine? Ah.
que j'arrive pas à tenir en place. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Oh Seigneur, oh, vos niveaux financiers sont en train d'être débloqués. Avant, il y a un genre d'argent que vous n'aviez pas imaginé que ça peut rester dans votre main pour 2 jours. Tu as touché pour aller déposer dans le compte de quelqu'un. C'était pour quelqu'un. Je vois ça multiplié par 5 dans ton compte et c'est pour toi. Et tu as payé toutes tes factures. Pas que tu as ça et puis tu dis que non, c'est pour payer telle chose. C'est pour toi. Le temps pour Dieu, ce n'est pas... Dieu n'a pas besoin de temps, il a besoin de foi. C'est pour ça que le monde, là, il travaille pour que vous puissiez croire qu'il vous faut le temps pour faire ça. Il faut le temps pour faire ça. Il faut le temps pour acheter le terrain. Qu'est-ce qui fait que tu n'achètes pas le terrain aujourd'hui? Tu crois qu'aujourd'hui, si tu as 200 millions, tu ne vas pas avoir une maison ce soir? Attendez, s'il vous plaît, excusez-moi. Hello? Excusez-moi. Vous pensez que si tu as 200 millions dans la mallette aujourd'hui, tu sors, tu dis que je vais acheter la maison. Tu penses que tu ne vas pas trouver une maison pour acheter? Même en Europe. Merci pour les compliments. Ouais. On vous a dit qu'il faut, 30 ans. Non, madame, vous voyez, il vous faut 30 ans pour avoir ça. Parce que, oui, j'ai ma cousine, elle vit en Belgique. Elle a fait la même filière, on a fait la même filière à l'école. En Belgique, nous, on était en Belgique, on a fait la même filière. À un moment, j'ai senti que mon appel est plus grand que je ne voulais pas finir le laboratoire. Mais elle a continué. Elle et son mari, ils sont vraiment aisés. Là. Je suis allée chez elle en 2016. Elle a dégoté une maison avec un jardin, des sculptures derrière. Il y a une fontaine dans son jardin. Elle a une maison avec le basement, la cave, le ground floor, le rez-de-chaussée. Le premier étage, c'est le salon et la cuisine, la salle à manger. Deuxième étage, c'est sa chambre avec pour son mari. Troisième étage, c'est pour les enfants. Elle a obtenu ça avant 35 ans, s'il vous plaît. 2016, je reste en Belgique, à Birmingham. J'avais pas l'argent, hein. Le Seigneur me dit dans la nuit que voilà, il me montre ce qu'il m'a donné. Je cherche le ticket. J'ai vu un ticket à 25 pounds, Charleroi. La compagnie là, c'était encore quoi là? Une petite compagnie comme ça là. C'était bleu, jaune comme ça là. Si vous vous rappelez du nom, dites-moi. J'ai acheté le ticket avec eux. J'arrive chez ma cousine. Elle me dit voilà, je viens d'aménager avec mon mari. Oh, sa petite fille, c'est un ange, c'est un cœur. Oh, on est tombé amoureuse l'une de l'autre. Oh, quand je suis arrivée chez elle, Dieu me dit que je veux que tu ailles dans toutes les pièces de la maison. Si tu regardes, on s'avoue seulement. Après, il me dit, elle va prendre au moins 20 ans pour payer cette maison. Mais toi, quand ta part va commencer, ça sera un tour de semaine. Et je dis, là, je vais, oh my God, j'étais tellement contente pour elle. Je lui dis, c'est quoi? Oh, ta maison me plaît trop. Oh, non, je suis trop content. J'ai mes cousines en Belgique. Non, non, on se connaît quand on se rencontre, like, you know what? Et j'ai une autre aussi. Elle est à Anvers. Elle a carrément une petite rivière, un petit lac, je ne sais pas trop quoi, dans son arrière, l'arrière de sa maison. Et quand on voit souvent les vidéos, les photos, je regarde dans la, like, je suis tellement contente pour la personne parce que il y a des choses que Dieu va vous parler de vous. Il va vous dire votre chose. Dieu ne cache pas ses choses. Il va vous dire. Et quand il te dit, saisis, grab it. Dubaï.
Tu vas souvent rester comme ça là, tu vas aller à Dubaï. Like. Tu prends ton, tu réserves ton vol aujourd'hui, tu pars demain. Par exemple, tu dois attendre 6 mois pour que les tickets soient moins chers là. Tu ne vas pas chercher les basses saisons, les hautes saisons, les ceci. Et tu pars pas à Dubaï pour le business. Tu vas te dire que non, je pars. Il faut que j'achète la marchandise pour compenser mon ticket. Il faut que je te fasse. Boy! Oh. En tout cas, recevez. Et c'est qu'il y a les gens qui vont recevoir leur voyage, leur maison, des maisons, pas une maison, leur AVS, les voitures. En fait, si je peux croire pour une voiture, pour ne pas, pourquoi ne pas croire pour 5 voitures? Why not? Why not? Oh non, mais toi, tu exagères. Tu ne vas pas conduire les voitures. Je me rappelle en 2011, je suis allée. En 2009, elle était enceinte. Je suis allée chez mon oncle. Il jouait dans Newcastle. Il était à Chelsea avant, il allait à Newcastle. J'ai passé 3 semaines chez lui. Je vais dans son parking. J'arrive d'abord, c'est la première fois que je suis entrée dans une Bentley. Je crois que je vous en parle souvent. Et j'avais mes 21 ans là, voilà. J'arrive chez tonton. Il vient d'avoir la gare à la station, il me cherche. Vous connaissez le bruit de la Bentley, c'est différent, non? Il gare. J'entre. Je m'assois. La chaise dit welcome. Je dis hey. En fait, la chaise t'épouse. On arrive à la maison. Je vois, il y avait une dernière Mercedes AMG, quoi, je ne sais même pas le dire. Mais le genre que le moteur est tellement costaud que sur le côté, vous avez des trucs comme des palmes pour respirer. Je ne sais même pas trop quoi. Je n'avais pas encore mon permis de conduire à l'époque. Il me dit, voilà les voitures là-bas. Je vous ai dit, quand vous venez chez moi en vacances, si vous avez votre permis, vous sortez avec comme vous voulez. Parfois, quand on veut sortir le matin, quand on veut sortir le soir pour aller manger, mettez au resto comme ça. Là. Il dit, on prend laquelle? Like. On prend la Bentley, on prend la Mercedes. Like. Ah. Et ce que le diable va faire, c'est quoi? Il va te faire, tu vas tellement souffrir que quand il parle les choses comme ça là, tu ne veux même pas laisser que ton esprit parte là-bas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas parce que tu te dis, si je crois, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas parce que tu ne crois pas. Girl, ça ne se passe pas parce que tu ne crois pas. Souvent, on devait même louer une voiture avec chauffeur. Tu peux donner 100 000 pour une journée. On te conduit, tu t'assois comme ça là. Et tu le dis pas aux gens, hein? Parce que si tu dis, tu as pris 1 mois de loyer, tu vas te donner pour une journée. Hein? Vous avez l'argent. Pardon, il y a des gens qui vous ne veulent pas dire vos choses. Il y avait des gens qui ne veulent pas partager mes directs. Bon. Le bout de chat. Dernier truc avant que je ne ferme. Fermez les yeux. Imaginez-vous. Sur votre plage favorite, je veux vous me donner les noms. Hein. Ok. Le sable de la plage là est que blanc. L'eau est que bleue ou verte. Tu es en train de marcher, le sable chauffe. Vous voyez? Vous voyez? Vous regardez le rivage comme ça là. Tout au loin, il y a les palmiers. Votre hôtel est de l'autre côté. Le 5 étoiles de cet hôtel là, de cette ville. Vous marchez, après vous décidez de vous asseoir un peu là. Ok, tu vas sur un petit, sur un banc qu'on a mis, tu te couches. Et devinez qui est à côté de vous. Bou est là. Bou. Bou est avec toi. Premièrement, tu as le corps de rêve que tu as toujours voulu. Tu as même un piercing sur le nombril.
boua les abdos. Écoutez, je sais que vous êtes déjà résolu à dire que bon, moi, il va accepter le gros ventre. On va faire comment? Peut-être que c'est ma portion en Jésus. Et vous vient te dire, ma reine, tu as besoin de quelque chose d'autre? Oh non, 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 ça va, vous, viens, t'inquiète pas. Viens te mettre à côté de moi. Mets-moi un peu de crème sur le dos, là. Nathalie, toi, c'est là, hein? Je crois que toi, tu es ma soeur, je mets dans une autre dimension parce que. Ah, Seigneur! J'avais une amie comme ça en Angleterre. Mon ami là, maman. Like, that girl was for crazy things, man. Souvent, elle m'appelle comme ça là. Elle que je viens de me faire 5000 pounds. Allez, on va faire le shopping. On va faire le shopping. J'arrive, elle prend deux. Elle me dit, prends un. Elle prend deux, elle me dit, prends un. Elle dit que je vais te relooker. On va sortir ce soir. On sort, on va à Londres. Elle loue la voiture. Nous allons prendre la limousine Birmingham, Londres. On va faire la party. Photo, elle arrive comme ça là. Donc, elle est la star de toute la soirée. Elle n'était pas brune, s'il te plaît. Elle est noire. Elle rencontre. Oh, hey, hi. Ouais, Seigneur. Elle ne te connaît même pas. Hein. Mais pour le soir, si là, c'est ton ami. Vous finissez la fête. Elle achète la boisson, elle paye. Après, on rentre. On rentre dans la voiture, puis on rentre à la maison. Donc, vraiment, le cœur de la fille là. Hein. Et elle ne te parlait pas de Jésus. Hein. Mais elle avait une capacité à se relever des situations. Et elle avait un très bon cœur. Elle là, c'est pas comme si elle était morte. Elle est morte. Non. Genre que, imagine, tu accompagnes quelqu'un pour faire son shopping. Elle prend les habits de 3000 pounds. Elle paye pour toi, pour 1000 pounds ou 1500 pounds. Et tu es sa compta, elle que viens avec moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Passer à passer une autre dimension. Seigneur, je déclare sur notre mois d'octobre, pendant que vous allez payer vos dîmes, vos offrandes, que vous allez faire vos dons dans les orphelinats, quand vous allez envoyer ce que vous allez faire comme don aujourd'hui, prenez Malachie. Prenez Malachie. Déclarez. What the heck? Il est déjà 8h. Wow. This is crazy. Prenez Malachie. Déclarez avec moi. Au nom puissant de Jésus, pendant que je sème cette dîme, pendant que je donne cette offrande au-dessus, je déclare. Premièrement, les idées, les opportunités, les écluses des cieux sont ouvertes pour moi. Deuxièmement, je chasse tout dévoreur de mes finances, de mon corps. Je déclare la santé sur moi, sur mes enfants, sur mes parents, sur mes cousins, sur mes employés, sur mes clients. Aucune personne, aucun de mes clients qui est censé me payer ne va avoir un problème avec ses finances ou bien. Tout ce que j'ai semé et que j'attends comme résultat, je reçois dans cette saison. Pas de ralentissement à mes projets. Votre foi porte ce que vous recevez. Ce n'est pas le pasteur ou bien l'église à qui vous donnez. C'est ce que vous connaissez avant de semer. Maintenant, mettez Dieu au test. Seigneur, par cette offrande, je te mets au test. I'm testing you, God. Certains parmi vous devez faire des offrandes spéciales pour le pays où vous voulez partir là. Seigneur, je mets l'offrande ici parce que je vais partir dans tel pays. Crazy fate, man. Crazy fate.
Je mets ça sur mes enfants. Seigneur, voilà l'offrande pour mes enfants. Parfois, tu donnes l'offrande des enfants. Ça, quelqu'un te contacte. Oui. Prends même 500 000 pour les enfants. Tu vois, à la rentrée, je n'ai pas. J'étais un peu bousculée. J'avais oublié. Je devais t'envoyer l'argent. J'ai oublié. Parce que tu viens de s'aimer 10 000 francs pour tes enfants, pour chacun de tes enfants. Ça, la faveur même de tes enfants, là, s'ouvre. Je vous amène dans une autre dimension. Vous contrôlez ce qui vous arrive. Premièrement, par ce qui sort de ma bouche. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Je connais le Dieu qui me maintient. Je connais le Dieu qui accomplit ce qu'il a dit dans ma vie et dans la vie des gens qui écoutent et qui font ce que je dis. Je déclare télécharger une application, n'importe laquelle. Notez vos revenus de ce mois. Je vous le dis. Si votre mois d'octobre-ci, vos revenus n'augmentent pas par rapport à septembre, et vous êtes salarié, et que c'est chez moi que vous avez payé votre dîme, recontactez-moi, vous me dites que non, tu mentais. Je vous rembourse, je m'en demande l'autre dessus pour vous dépanner. Écoutez, testez Dieu, s'il vous plaît. Testez Dieu. Tu as déjà dit, je n'ai même pas vu que tu as dit que je te teste. Testez Dieu, s'il vous plaît. Comment tu ne peux pas la nourrir? Test and see that the Lord is good. Hey! Moi-même, je sais que le moi, c'est là. Moi, je sais que je suis encore dans une autre dimension. Donc, maman. Parce que moi, là, je rêve. Mais il y a des moments où. Parce que moi-même, j'ai mes limitations. Hein. Tu vois, quand Dieu te réveille, il enlève ça, il enlève ça, il enlève. Il te dit, vois. Comme Abraham, va dehors, vois. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux compter? Est-ce que tu peux compter les virements qui arrivent dans ton compte? Est-ce que tu peux compter? Seigneur, je n'arrive pas, ça vient trop vite. Ça... Je suis le seul pasteur sur la toile qui vous teste à ce point-là. Je vous testerai encore. Testez Dieu si vous voulez. Aïe! He has given me victory. Aïe! Couronnez tout avec la bonne humeur, s'il vous plaît. Pour pas être les rabat-joie. Si Dieu a déjà fait, pourquoi tu vas t'inquiéter? Why are you worry? Tu sors aujourd'hui, quelqu'un te dit bon mois, docteur. Tu dis merci. Bon mois, toi. Pourquoi tu es contente comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Moi, c'est ma voix, c'est pas tout fort. Je crois que c'est les Anglais, j'ai poussé en Angleterre. Les Anglais parlent. L'anglais qu'elle a sur soi, il te dit lui. Même avec mes enfants, ils disent, tu parles fort, on doit entendre ce que tu dis. Quand je suis dans mon bureau, tous ceux qui sont doivent entendre tout ce qu'il dit. Parce que ma voix là. Un jour, je suis arrivé quelque part, c'était dans le bus. Oui, c'était dans le bus, j'étais à Paris. Au téléphone avec quelqu'un, j'ai des amis de foi souvent quand on a le téléphone ensemble, like il dit que oui, Dieu a fait ça dans ma vie. Moi, je dis papa, je sais pas. J'étais avec une de mes crazy friends. Hey, Fifi, si je suis encore disponible, j'ai dit ce matin que les consultations, je ne prends plus les consultations. Si quelqu'un veut me voir, il va payer une heure de conseil carrément. Je ne fais même plus consultation, je ne veux plus passer. C'est non. Quelqu'un qui vient à moi avant que je prenne du temps, il faut vraiment qu'il sache ce qu'il veut et qu'il soit prêt à donner de l'argent pour ça. Vraiment, parce que, like. Je suis dans le bus. Il doit être 22h. Où est les rabat-joie de... Si je suis à Paris, vous savez dans quel pays. Donc, je veux pas indexer qui que ce soit. Ils sont là. Ils rentrent du boulot. Vous les connaissez dans les métros, non?
Donc, moi, voilà le téléphone. Hey, ma copine! Ha! Il te dit que. Devine ce qui m'est arrivé. Non, franchement. Qu'elle me regarde. Mais pas trop fort. Pas trop fort. Je crois que j'avais un ami. Voilà, il était assis à côté de moi. Il me dit, on dit que tu parles trop fort. Hein. Il dit, ah bon? Hey, oh, on dit qu'elle parle trop fort. Ils ne savent pas ce qu'ils parlent, ils ne savent pas. J'ai encore peut-être fait 5 ou 10 minutes de conversation comme ça. La personne voulait seulement mourir. When you know that you know that you know. You know. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois d'octobre. Mon anniversaire, c'est le 31. Vous imaginez. Je suis dans l'âge que Jésus avait quand il a commencé le ministère. Ça, c'était un fabuleux. Donc, mon année, c'était fabuleuse. Je dois écrire le livre de cette année. Pas le livre de ma vie, le livre de cette année. Yeah, yeah. Fifi, tu peux me suivre depuis. Si tu viens, je ne suis pas au Cameroun, je fais comment? Si tu viens, je suis occupé, je fais comment? Hein? Je vous ai dit que très bientôt, je ne serai plus contactable. Mm-hmm. Mais dans les directs, je serai là. Je viendrai, je parlerai. Mais dis que tu peux sur raison, là, tu vois le numéro de téléphone, tu m'appelles, ça sonne. Tu parles à une autre personne d'abord. Je ne serai plus contactable. Bienvenue dans le mois de réalisation de vos rêves. Bienvenue dans le mois où votre vie a commencé à changer. De bon, donc quand tu vas regarder en arrière, tu dis que ça avait commencé le 1er octobre 2021. Il était environ 6h45. Je suis tombé sur une vidéo, ça a chamboulé tout dans ma vie. Et 3 mois plus tard, j'ai les clés de ma maison, comme elle avait dit. 3 mois plus tard, je suis au Canada. J'ai commencé en octobre, et me voilà en décembre. Je suis à Toronto. Je viens de réanimer votre foi. J'ai fait le massage cardiaque. Vous êtes à réveiller. Allez, dominez. Ok. J'ai donné première instruction. Allez faire votre passeport si vous n'avez pas de passeport. Si vous l'avez déjà, commencez à faire le dossier, s'il vous plaît. Yes. Surtout, semez pour ce dossier que vous voulez lancer. Ça va ouvrir. Quand on reçoit une parole, on la scelle toujours par une offrande. Je ne peux que vous conseiller, je ne peux pas vous forcer. I cannot force you. I cannot. Ceux qui connaissent, connaissent. Et ils savent ce que ça fait dans leur vie. Ok. We got the power. Maman, je chante. We got the power. We got the power. We got the money. Hey, hey, we got the money. Il ne faut pas seulement avoir le pouvoir et l'onction. Il faut voilà. We got the money. Bonne journée à vous. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, you.